Voici un message que je viens de recevoir et qui est très important. Nous sommes prêts à contrer le plan des ténèbres qui a été prévu depuis longtemps, mais nous étions au courant et nous avons mis la riposte en place. Ne soyez pas dans la colère, restez dans l'amour et dans la liberté de choix. Il faudra ramasser ceux qui tomberont sur le chemin, car ils auront cru aux paroles du mal et l'auront nourri de leurs peurs et de leurs angoisses. Aux travailleurs de lumière, les jours à venir vont être durs, mais soyez dans la foi et entourez de lumière ceux qui auront besoin de vous. Protégez-les de cette force divine de guérison. Tout va changer très vite, il va falloir avancer et nous serons là pour vous guider. Unissez vos forces aux nôtres. Tout est en marche. Laissez-nous vous amener la lumière qui vous fera remplir d'amour tous ceux qui en auront besoin et redonner l'espoir et la foi en ceux qui ne croient plus. La bataille du bien et du mal était inévitable. Elle était annoncée depuis des siècles. Elle est là, à nos portes, parce que les gens ont fermé les yeux sur le bien, car le mal était plus attractif. Il faut mettre fin à tout cela pour que tout redevienne amour. À ceux qui ont encore des peurs, mais qui sont dans l'amour, suivez les guides qui ont été placés sur votre chemin et rayonnez la lumière. Ne vous inquiétez pas, soyez confiants. Demain est un autre jour, un jour nouveau, un jour de gloire et de victoire. Ressentez-nous, nous sommes partout autour de vous. On vous a mis au repos pour que vous ayez l'énergie nécessaire pour ce qui allait arriver. Maintenant, il est temps de mettre en œuvre l'armée céleste pour un monde meilleur. En vérité, je vous le dis, mes enfants bien-aimés, mes frères et sœurs, entourez-vous de la protection des quatre archanges et avancez sans relâche et sans crainte. Nous sommes là et veillons sur les nôtres avec amour et bienveillance. Nous sommes vous et vous êtes nous. Il est temps, on vous aime, ayez confiance en la lumière. Sarah, fille de Yeshua et de Marie-Madeleine.